Quand on est pris par la frénésie de l'histoire et son histoire en particulier, on finit toujours par se laisser transposer dans le temps et l'espace, à la recherche de points d'ancrage dans ce long cheminement des événements et des stations qui l'ont jalonné. On s'intéresse alors aux villes, aux grottes et à tout ce qui peut renseigner sur une histoire, un événement vécu par les nations et les peuples qui nous ont précédés. Et comment ces vestiges ont pu traverser cette histoire séculaire avant de nous parvenir pour nous éclairer sur notre passé glorieux. Théveste l'Antique, ou Hécatompyl, la ville aux 100 portes, figure parmi ces lieux et villes qui ont marqué l'histoire de façon indélébile. Son histoire lui rendit justice en lui préservant beaucoup de ses attraits, au point qu'elle peut être considérée comme un musée à ciel ouvert de par les trésors, les marques historiques et civilisationnelles qu'elle a pu conserver. Ces vestiges racontent à leur manière, aux générations qui se succèdent, l'œuvre de peuples qui l'ont habité à un moment ou un autre. Tébessa fut à cet égard le berceau des premières civilisations humaines qu'ait connue l'humanité dans la région. Grâce à ses plaines fertiles, ses rivières et ses montagnes, nos ancêtres ont pu y vivre, y s'établir, pour constituer des civilisations préhistoriques, à l'instar de la civilisation aculéenne, athérienne et capsienne, dont nous possédons à ce jour des traces disséminées à travers toute la région. Quoique de manière lente, l'homme préhistorique développa ses activités en fonction de ses nouveaux besoins à travers, entre autres, l'affûtage des armes primitives utilisées par l'athérien trouvées dans plusieurs endroits, notamment à Wajbana, Dolmen dans le massif du Dir et les gravures rupestres de Djebel Gastel. D'autres traces et vestiges de la civilisation capsienne furent également mis à jour, des têtes et des os humains fossilisés, des pierres polies. L'homme préhistorique, dans son évolution inexorable, élit domicile dans les grottes, comme le prouvent les traces laissées dans les grottes de la région de Gastel, Khengat el-Mouahed, Fajglili, el-Malabiad et les grottes rouges de Djebel Doukan. Après ce long cheminement de l'histoire, voilà encore Tébessa au rendez-vous de l'histoire moderne. En effet, elle alla à la rencontre de la civilisation phénicienne, naissante dans la partie occidentale de la Méditerranée, 8 siècles avant notre ère, puis les civilisations romaines, amazighes, byzantines, vandales, arabes, ottomanes et françaises. Tous ces brassages civilisationnels et humains formèrent un mélange culturel rare et sans pareil ailleurs. Les Phéniciens firent de Tébessa, Daourouche et Sougaras des relais commerciaux pour leurs négoces entre la capitale, Carthage, et leur comptoir sur le bord de la mer. La ville de Tébessa était pratiquement contemporaine à celle de Carthage tout au début du 8e siècle avant Jésus-Christ. Elle fut gouvernée par les rois berbères. Sa position géostratégique et ses richesses naturelles en firent une région de lutte entre la Numidie et Rome. La deuxième guerre punique, de 202 à 218 avant Jésus-Christ, ne l'épargna guère. En effet, une des plus grandes batailles de cette guerre, la bataille de Zama, ayant opposé les Romains à leur tête Scipion l'Africain et son allié Massinissa, à Hannibal, s'y déroula à ses portes en l'an 202 et qui finit par la victoire de Rome. Rome divisa la Numidie en 3 royaumes après avoir pris le contrôle de toute l'Afrique du Nord. Cette situation encouragea les dirigeants numides à entrer en conflit entre eux avec tout ce que cela pouvait entraîner comme insécurité et lutte intestine, faisant ainsi le lit des Romains qui décidèrent d'occuper tout le pays. En effet, le gouverneur Vespasien passa à l'action et occupa la ville de Tébessa. Les Numides considèrent alors
cette action comme une occupation de leur territoire, surtout après la répression, les exactions, la confiscation des terres qui s'abattirent sur les habitants de toute la Numidie. Cette période fut caractérisée par plusieurs révoltes, dont celle de Tacfarinas, qui unifia la résistance et fédéra plusieurs tribus sous sa bannière, dont les Maures, les Sinitiens, les Gétules et les Musulmanes. Il eut recours dans sa guerre à la guérilla face aux légions romaines. La lutte contre les Romains ne s'arrêta dans la région de Tébessa que quand l'empereur Septime Sévère, d'origine africaine, accéda au pouvoir entre 193 et 211 et son fils Caracalla entre 211 et 217. La région connut un changement profond et un développement dans tous les secteurs de la vie, aussi bien culturel qu'architectural. Caracalla attribua la nationalité romaine à tous les citoyens sans distinction de race. Il construisit le temple de Minerve, l'amphithéâtre, l'arc qui porta son nom et les bains. Théveste fut connu pour son agriculture très développée en général et surtout l'oléiculture. Cette activité très répandue permit la création de plusieurs huileries pour traiter cette production. Entre 98 et 117 fut construite l'huilerie de Brisgane, la plus grande du genre en Afrique du Nord. Le commandant Boniface se révolte contre Rome et fit appel aux Vandales de Genséric en 428 qui saccagèrent la ville, ne laissant rien de ses vestiges et de sa culture. La région perdit le rôle commercial qui était le sien, mais ils se rendirent rapidement compte, surtout au contact des autochtones, de leur erreur et œuvrèrent à la relance de l'agriculture en entourant la ville d'une muraille. La présence des Vandales ne dura pas longtemps. En 534, les Byzantins y firent leur apparition sous le commandement du général Salomon, qui, après plusieurs batailles, les chassa de la région durant le règne de l'empereur d'Orient, Justinien. Il renforça les défenses de la ville par plusieurs tours et des fortifications. Il édifia la muraille de la ville, visible à ce jour. Tébessa devient alors la deuxième ville d'importance après Carthage sur les plans stratégiques et économiques. Les premières batailles entre les conquérants musulmans et les Byzantins eurent lieu à Sbitla en 647. Les armées musulmanes, sous le commandement de Hassan ibn Nu'man et le compagnon du prophète Orba ibn Nafa, passèrent par Tébessa lors de leur mouvement vers l'ouest à partir de Qayrawan. Ils rencontrèrent une féroce résistance des tribus berbères sous le commandement de Dilya al-Kahina. Mais les habitants finirent très rapidement par adopter la nouvelle religion et toute la région entra dans le giron de l'empire musulman naissant. Tébessa fit allégeance aux Omeyyades, aux Abbasides à travers les Arlabides, les Hilaliens, les Hamadites, les Almoravides et les Almohades. La situation ne fut pas toujours calme durant ces périodes, surtout entre 975 et 1153. Les Turcs, qui prirent le contrôle d'Alger en 1515, installèrent une petite garnison de janissaires dans la ville vers 1573. L'instauration de lourdes taxes ainsi que les amendes poussèrent les habitants à se soulever durant toute la période ottomane dans la région, surtout les révoltes des Nemanja et de Harakta entre 1739 et 1824. Les Français ne furent pas mieux lotis que les autres occupants. Ces derniers, après avoir occupé Alger en 1830, décidèrent de poursuivre leur mainmise sur tout le pays. Les premières escarmouches avec l'armée coloniale eurent lieu le 31 mai 1842, lorsque le général de Négrier, à la tête de son armée, tenta d'occuper la ville. Les habitants de la région, avec à leur tête Cheikh al-Hasnawi ben Belgassem, lui opposèrent une résistance farouche à Oued Chabrou.
Ce fut là le premier jalon d'une résistance qui ne s'arrêta presque jamais durant toute l'occupation. En effet, toutes les régions résistèrent à l'avancée de l'ennemi. On peut citer entre autres les batailles de Anzuara le 1er juin 1846, la bataille de Malabiad durant l'automne 1846, la bataille de Bekaria en octobre 1853, en plus de la bataille de Wadr Shesh en 1855. La région de Tebessa connut la révolte de la tribu des Ouled Khalifa sous la direction de l'émir Mahiddin, petit-fils de l'émir Abd al-Qadr, entre 1871 et 1872. Cette révolte est considérée comme la plus importante dans la région du fait de la fédération de plusieurs tribus parmi les grandes tribus d'Edmensha et d'Ouled Sidi Yahya. En fait, cette révolte a été menée en deux phases, car elle a été relancée de nouveau durant le mois d'août, sous la direction de Mohammed bin Abdullah, auquel la tribu des Ouled Khalifa fit appel à partir de l'oasis de Nafta. Il rassembla ses forces et certaines tribus d'Edmensha et affronta l'armée coloniale qui, malgré les renforts militaires envoyés et les spahis, ne put venir à bout de la résistance de Ouled Khalifa qui leur infligèrent une défaite mémorable. Tebessa joue un rôle très important durant la guerre de libération nationale. Elle fut, par son caractère montagneux et sa position frontalière avec la Tunisie, un passage stratégique pour les munitions et les armements indispensables à la poursuite de la guerre. Pour parer à cette situation, l'armée coloniale édifia deux lignes barbelées et électrifiées tout au long de la frontière pour interdire l'accès de l'armement et des hommes. Les citoyens se sont rendus compte que ce qui a été pris par la force ne peut être repris que par la force. La région connut des batailles mémorables qui ébranlèrent le colonisateur. On peut citer parmi ces batailles l'épopée de la bataille de Jorf entre le 22 et le 28 septembre 1955 sous le commandement du shahid Shehani Bashir. L'ennemi y subit de très lourdes pertes en hommes et en matériel. Le shahid Larbi bin Mehdi dit à ses geôliers « Nous vous avons donné une leçon mémorable à Jorf ». Mohamed Chibouki, auteur de Jazairuna, immortalisa de son côté cette bataille par ses vers « Interrogez le mont du Jorf sur notre armée, il vous fixera sur notre courage, il vous informera comment nous avons mis l'armée des oppresseurs en déroute ». La bataille du mont Ergou dura deux jours, entre les 17 et 18 juin 1956. Bijar y fut blessé. Une autre bataille eut lieu à Nekeb, près de la frontière tunisienne. Ces batailles, et les autres, prouvent la volonté et la ténacité de ces héros qui croyaient dur comme fer en leur cause et qui avaient décidé d'en découdre avec l'ennemi et de s'en affranchir définitivement, quel que soit le prix. Abbas Larour, Ali Souaï, Lazar Shriyat et Bashir Shihani ne sont que quelques noms parmi tant d'autres que Tebessa et sa région ont offert pour que vive l'Algérie libre et indépendante. Les traces de ces batailles sont toujours visibles, en plus des vestiges de la ligne électrifiée Charles et Maurice. La wilaya de Tebessa se trouve à l'extrême est algérien, à la frontière tunisienne. Elle se trouve à 635 km d'Alger. Elle est adossée au massif de Doukane, de Qaqa, de Bornen sur le versant est des monts de l'Aurès. Elle est limitée au nord par la wilaya de Sogaras, au sud par la wilaya d'El Oued, à l'ouest par les wilayas d'Oum El Bouaghi et Khenchla. Alors que la Tunisie l'aborde à l'est sur 300 km.
veste, ce charme émanant du passé. L'origine du nom est berbère. Elle serait liée à des légendes. La première raconte qu'un enfant élevé par une panthère, après la mort de sa maman dans une montagne de la région, donna le nom de sa nourricière à la ville qui fondit. Alors que la deuxième, très peu différente, stipule qu'à la mort du père, la panthère prit en charge l'enfant qui, en reconnaissance, créa la ville et lui donna le nom de Hibist, qui a le sens de panthère en berbère, en fonction de la traduction libique du terme. Cette légende est toujours vivace dans les esprits des habitants de la ville, qui en hommage y érigèrent une statue de panthère en plein centre-ville. Les Grecs la comparèrent à Thèbes en Égypte de par sa prospérité et lui donnèrent le nom d'Hécatompyle, la ville aux 100 portes. Les Romains lui donnèrent le nom de Théverste, du nom de la divinité Auguste, alors que les Arabes l'appelèrent Thébessa. Ce qui attire le plus l'attention du visiteur de Thébessa est sans conteste la tour byzantine ou la muraille byzantine qui enserre la vieille ville. Il s'agit en fait d'une enceinte murale imposante construite par les Byzantins pour asseoir premièrement leur domination sur la ville, dissuader leurs ennemis et la défendre contre les convoitises. En réalité, c'est l'un des plus importants monuments archéologiques de la ville. Il a été construit par le général byzantin Solomon durant le règne de l'empereur Justinien entre 535 et 538. Il se compose de 13 tours carrées disséminées sur toute la longueur. Les Byzantins utilisèrent pour sa construction des pierres de différents calibres déjà utilisées dans des constructions romaines, ce qui explique leur non-uniformité. À l'origine, la muraille comprenait trois portes principales. La porte de Solomon, du nom du général byzantin mort non loin de la ville en 544, la porte Shelah et la porte Caracalla, appelée aussi l'Arc de Triomphe. Durant la colonisation française, d'autres petites y furent ouvertes. Cette muraille imposante est toujours là, debout, témoignant de ce passé tumultueux, malgré les vicissitudes du temps et les dégradations humaines. L'homme a toujours été amoureux de la terre bénite de Thébessa, qui est d'ailleurs objet de fierté de ses habitants, qui ne cesse de rappeler son passé toujours conjugué au présent à travers ses différents vestiges. La ville et sa région sont devenues une destination privilégiée pour de nombreux touristes venant des quatre coins du monde. C'est une ville où le pouls de la vie s'y renouvelle à chaque lever de soleil. Elle grouille de vie dans ses administrations, ses rues, ses venelles, ses marchés, surtout celui de l'enceinte byzantine. Il est le point de mire de tous ses habitants qui y accèdent par ses portes antiques durant tous les jours de la semaine. De la muraille byzantine, vous êtes subjugué par la nature et surtout par le gazouillement des oiseaux de compagnie disposés dans la partie qui leur est réservée du marché. Il est fréquenté tous les vendredis par les amateurs de ces belles créatures. On se trouve face à des vendeurs vantant les mérites de leurs oiseaux de différents plumages, de diverses espèces, et à des acheteurs tenant à acquérir les meilleurs d'entre eux au meilleur prix. Entre ces deux parties se faufile la catégorie des curieux, attirés par le gazouillis de ces volatiles et la beauté des lieux. L'acquéreur perd son latin à vouloir choisir entre tous ces oiseaux de compagnie et leur coller le meilleur prix possible. Néanmoins, le chardon reste le mieux coté et le plus demandé par ces amateurs, à croire qu'ils ont passé un deal avec lui.
malgré ses prix qui varient entre 3000 et 5000 dinars. Il est capturé dans les forêts de la région de Tébessa. On y trouve également tout ce qui a trait à ce genre d'élevage, cage, nourriture, etc. Ce marché est situé à proximité d'une des fameuses portes de la ville, la porte de Caracalla ou l'Arc de Triomphe. Vestige unique en son genre dans la ville, érigée entre 211 et 217 après Jésus-Christ, sur injonction d'un riche Tébestin, Caius Cornelius Egrilianus, en reconnaissance à l'empereur Caracalla, qui a accordé la nationalité romaine à tous les Tébestins sans distinction de leur origine. Ce monument est disposé en carré, avec quatre façades identiques, percées d'arcs flanqués de colonnes d'une hauteur de 11 mètres. Il est décoré de dessins herbacés, de figures géométriques, de pendeloques et de médailles représentant différentes personnalités de l'époque. En plus des dessins, il comporte des dédicaces latines non claires, notamment sur sa façade nord. On avance qu'il s'agit là d'un testament d'un riche habitant de la ville du nom de Gemania, qui aurait légué sa fortune à ses deux frères. Cette pratique donne une idée sur les manières de déclarer les testaments à cette époque. À l'intérieur de la muraille, et non loin de la porte de Caracalla, l'attention du visiteur est attirée par l'aspect si particulier de l'architecture du temple de Minerve, premier du genre construit par les Romains à la gloire de la déesse de la sagesse. Il a été élevé du temps de l'empereur Septime Sévère en l'an 193 et 217 après Jésus-Christ. L'aspect si raffiné de son architecture dénote l'importance qu'accordaient les Romains à ce genre d'édifice. Plusieurs décorations et gravures externes sur pierre dénotant des rites religieux en vigueur à l'époque. Le temple est entouré de pièces archéologiques ramenées de divers lieux pour agrémenter sa cour, telles que des statues de notabilités et de nobles qui vivaient en ces lieux à ce moment. Cette pratique est un signe évident de l'influence artistique romaine par l'art grec. Des traces de pilastres à couronne, de vases à fleurs, des épitaphes, des sarcophages sur lesquels sont gravées des représentations de dieux adorés à cette époque, des jets d'eau et des idoles funéraires. Reçue à l'entrée du temple par une statue de femme romaine du nom de Valentina. Cet édifice fut transformé en 1920 en musée où furent exposés des objets archéologiques de diverses époques historiques, tels que les coquillages d'escargots, des pierres polies remontant à la civilisation athérienne. Fresque murale représentant les différents rites et croyances religieuses des Romains est gravée à l'entrée du temple. Cette représentation se caractérise par un très bel agencement des petites pièces de différentes couleurs utilisées dans ce tableau où sont représentés des êtres humains et des animaux maritimes. Elle est dédiée au couronnement de la déesse de la mer. En somme, cette belle fresque regroupe divers sujets retraçant le paganisme en vigueur à ce moment où les Romains adoraient les forces de la nature, les animaux et leurs ancêtres à qui ils faisaient des offrandes pour les aider à affronter les vicissitudes de la vie.
toujours à l'intérieur une jarre romaine, des chandeliers, des vases à fleurs, des têtes de statues humaines et des divinités de l'époque romaine, telles le buste de l'empereur Septime Sévère, du dieu Pluton, et d'autres de personnes inconnues. On y découvre également la statue de la déesse Sirius assise sur le trône, des verres décorés, des tableaux, des décorations en faïence, une statue de poisson, des ustensiles en argile, des bouteilles de différentes formes et proportions, dénotant le degré de développement de ces peuples. Également des produits de beauté, des bijoux, des épingles à cheveux, des peignes en ivoire, des boucles d'oreilles décorées avec des formes géométriques, des chaînes, des bracelets à côté de bouteilles en verre et en cuivre. Tout près du temple de Minerve, et à quelques mètres seulement, on y trouve le musée de Théveste. À l'origine, ce fut une église française transformée en 1911 en musée, une fois celui de Minerve devenu trop exigu pour les vestiges qui y étaient exposés. Sa construction débuta en 1885, sous la supervision de l'architecte moine Delabarre. Mais après sa mort, c'est le moine Péroni qui se chargea du suivi et de son inauguration en 1908. L'intérieur de l'église française est caractéristique de l'architecture des églises, avec un plafond voûté, décoré de dessins reprenant les symboles de la religion chrétienne. L'église est devenue actuellement un musée où sont exposés beaucoup de vestiges archéologiques. On trouve sur son autel deux statues de lions trouvées près de la basilique à côté d'une jarre en argile. À son entrée, on trouve un autel d'offrande en mosaïque de l'époque de Vabinilla, en plus d'épitaphes de tombeaux de l'époque musulmane, à côté de tableaux de mosaïques, Bacchus, végétal et animal. Les pièces de monnaie, quant à elles, occupent une bonne place dans le musée répartie entre petites pièces numides et pièces romaines frappées des noms de personnalités qui se sont succédé au pouvoir à ces époques, telles que Massinissa, Jugurtha, Maximus Vespasianus, Marcus Cocaius, Marcus Aurelius Antonius, Julvirus Maximus, Vepius Tripuminus et bien d'autres encore. Les pièces écrites en koufi de l'époque ottomane
frappés au nom des sultans de cet empire, y sont également à leur place. Un peu plus loin, on trouve le rayon des armes de toutes les époques historiques de la région, telles les lances romaines, les fusils de chasse numides, les revolvers de l'époque coloniale française. Trouve un des principaux édifices religieux de l'époque ottomane, l'antique mosquée qui domine la vieille ville de trois côtés. Son minaret carré, en pierre, se terminant par une tourelle bombée, fut restauré en 1842 durant la période ottomane. Les Turcs utilisèrent à cet effet la pierre romaine et byzantine, comme le prouvent les couronnes sur lesquelles reposent les nombreuses colonnes à l'intérieur formant des arcades, lui donnant ce cachet si particulier. Il a joué un rôle important durant la période coloniale dans la sensibilisation et l'orientation religieuse à travers les cours de fiqh et de sharia, surtout dans la période où Cheikh Al-Arbit Bessi y professa ses prêches réformateurs tout en y assurant les cinq prières. La mosquée antique garde à ce jour son esprit et son cachet architectural malgré toutes les restaurations qui y furent menées. Une de ces dépendances est réservée à l'apprentissage de l'enseignement du Saint-Coran aux futures générations, ce qui les aidera à se conformer aux préceptes du Coran et à acquérir les valeurs de la morale, du bon comportement, de l'éloquence et d'apprendre à le plasmodier. Chaque année, cette école coranique forme un nombre important de personnes. Une attention particulière est accordée aux enfants du préscolaire qui apprennent l'écriture, les rudiments de la langue arabe et le Saint-Coran avant de rejoindre les bancs de classe. Cette ville ancestrale raconte à sa manière une partie de l'histoire des générations qui l'ont habitée. À cet effet, la commune de Morsot, à l'est de Tebessa, regorge de monuments archéologiques de la période romaine, à l'instar des arcs romains et la fameuse tour. C'est une ville qui garde jalousement ses secrets. En effet, elle fut créée par les Romains en l'an 557, après Jésus-Christ. Tebessa et sa région sont un vrai musée à ciel ouvert. Là où vous vous dirigez, là où vous portez votre regard, vous trouverez les vestiges de ces peuples qui ont choisi de s'établir en ces lieux. En face de la tour romaine de Morsot, se trouve la Zawiya de Sidi Abdallah Houam. À l'instar des mosquées, les Zawiya œuvrèrent à la consolidation des préceptes du fiqh et de la charia musulmane. Ces lieux jouèrent un rôle important dans le renouveau religieux et dans l'éducation des habitants durant la période coloniale. Cette Zawiya, une des plus importantes que renferme Tebessa, les corps de son fondateur et de ses fils y sont enterrés, jouent un rôle primordial dans la prise de conscience nationale, l'apprentissage du Saint-Coran et la formation d'éminents savants tels Cheikh Mohammed Taïb Pacha.
de ses activités, elle apporte l'aide nécessaire aux démunis, surtout durant le mois sacré du Ramadan, en plus d'héberger les passagers en difficulté. Elle organise des wahda. Une école coranique y est érigée en son sein, chargée de faire apprendre le Saint-Coran à des personnes de différents âges. Elle a connu des agrandissements pour pouvoir assurer les 5 prières en plus de la prière du vendredi et recevoir les personnes désirant apprendre et plasmodier le Saint-Coran. Tébessa regorge autant de monuments archéologiques que de sommités religieuses. Les préceptes de la charia ont pu se propager et gagner l'estime des gens grâce aux efforts entrepris par les savants religieux à travers l'ensemble des institutions à caractère religieux. Ces derniers ont pu préserver le patrimoine religieux à travers l'apprentissage du Saint-Coran. Pratiquement toutes les communes ont une zaouïa ou un sanctuaire d'un homme pieux, à l'instar du tombeau de Sidi Ibrahim Ben Chokr, Sidi Ben Saïd, zaouïa de Sidi Yahya Ben Talib, qui a œuvré à l'orientation des habitants vers la religion la meilleure. D'autres personnalités imprimèrent un rayonnement civilisationnel et religieux dont a profité la région pleinement à travers les siècles. Tevest, la cité qui se distingue parmi tant de cités, possède des vestiges qui n'en finissent pas. À environ 500 mètres au nord de l'arc de Caracalla, se trouve la basilique Sainte-Crispine. Les Romains construisirent cet édifice religieux en hommage à la Sainte Numide, la noble Crispine, qui fut la première femme persécutée pour avoir adopté la religion chrétienne. Elle fut parmi les femmes appartenant à l'aristocratie et de haut rang à avoir résisté à l'empereur romain et avoir défendu ses idées jusqu'au bout. La construction de la basilique débuta en l'an 310 durant le règne du proconsul en Afrique, Aninos Julianos. Il fut d'un grand apport pour les chrétiens persécutés. Mais en réalité, la construction de cette église revient aux missionnaires africains, délégués par l'empereur Constantin pour aider les hommes de religion à construire des édifices religieux et permettre aux riches de participer à cette œuvre. Il embrassa lui-même la nouvelle religion. À l'entrée de l'église se trouve une grande cour pavée de grands carreaux en pierre plate donnant au fond sur des écuries et à gauche sur des jardins. Elle a une cour interne pourvue d'une fontaine, d'arcades, de portes, de catacombes et différents autres passages. La basilique Sainte-Crispine est la plus belle et la plus grande église d'Afrique du Nord. Elle fut entourée d'une muraille byzantine 2 siècles après sa création. Sont les endroits où l'on se trouve devant plusieurs choix pour satisfaire sa curiosité. Ceci donne à Tébessa une image distinctive de cité qui a pu conserver ses vestiges historiques, relatant leurs exploits et leur splendeur civilisationnelle. Une longue histoire d'amour tout au long des siècles qui a su faire le lien entre sa nature et son histoire. Ce qui fit d'elle un théâtre historique en plein air par excellence,
à tel point que même ses jardins publics, comme celui du centre-ville, est agrémenté d'objets rares, retrouvés dans la région, tels que des colonnes, des vases, des épitaphes, des sarcophages, portant des inscriptions latines, des mosaïques dénotant du haut raffinement des habitations romaines. Tebessal antique ou Tebessal Khalia est une cité archéologique se trouvant à un peu plus de 2 km de la muraille byzantine. Elle fut édifiée sur le versant nord-ouest du Djbel Doukan, sur une petite colline pas très élevée au sud-ouest de la muraille. C'est un panorama de construction harmonieuse. Il y avait à l'intérieur de la ville une chapelle de forme circulaire supportée par 16 colonnes, entourée des trois côtés de passages non apparents, momies et des statues. Un cercle en plein milieu d'un carré, côté est, servait de sortie à la chorale sacrée. Il y avait à côté du temple principal un plus petit, construit avec des piliers en marbre rose, dont les traces subsistent à ce jour. On y trouve des vestiges de piscines, d'habitations spacieuses réservées aux dirigeants et à leurs familles, des bureaux pour les fonctionnaires, des maisons pour les visiteurs, des chambres à coucher, des bains. Les structures sociales y étaient présentes également, telles que les écuries, les huileries. L'eau y était amenée à travers des canalisations suspendues. Les vestiges de cette cité trouve la grandeur de ce lieu historique à travers les espaces réservés aux différentes structures sociales, la richesse et la diversité architecturale qui l'avaient caractérisé. À environ 150 mètres en allant dans la direction de la Porte Solomon, le registre civilisationnel, Tebessi, enregistre un monument dans lequel se dessinaient des tableaux artistiques de tout genre dont les Romains étaient de fervents amateurs. En l'occurrence, l'amphithéâtre romain. Il fut construit sous le règne de l'empereur Vespasien en l'an 77 après Jésus-Christ. Petite promenade dans cette œuvre architecturale de premier plan et l'observation des moindres détails de sa construction nous renseigne sur la créativité et le génie de ceux qui l'ont édifié. À l'instar de beaucoup d'amphithéâtres romains, il est formé d'une grande arène et d'une zone réservée aux nobles. Il avait une capacité d'accueil de 7000 places. Les habitants profitaient de moments forts en regardant les gladiateurs livrant combat. Les esclaves et les prisonniers étaient jetés dans ces arènes pour mener des combats à mort entre eux ou face à des fauves affamés sous l'œil attentif des notabilités et des nobles. Tebessa à Birlatr et à 35 km au sud de la ville se dresse l'huilerie Brisgan. Les chercheurs pensent qu'elle a dû appartenir à une riche famille romaine de la région. L'importance de cette huilerie et les 200 plus petites qui l'entourent et dont les traces sont encore visibles sur le terrain témoignent de l'importance qu'accordaient les Romains à l'agriculture en général et à l'oléiculture en particulier. Il s'agit, selon les vestiges qui en restent, d'une huilerie à 2 ou 3 étages sur une surface construite de 800 mètres carrés. L'intérieur est divisé en 4 parties parallèles au mur et dans chacune d'elles sont disposées 7 dalles
en tant qu'entrée ayant une largeur de 250 mètres. Dans chacune de ces parties supérieures de l'huilerie, il y a 6 pressoirs, comme l'indiquent les références. En 1980, l'huilerie de Balesgan fut classée comme le seul et unique monument de la vie économique de la région durant cette période de son histoire, surtout que Tebessa était le premier producteur d'huile d'olive durant la période romaine. صرت البلدان وصلت ليالي نجمة وهلال قبرك عالي.